Mardi 15 septembre 2020, nous réjouis, nous contents parce que l'Éternel ba nous grâce li dans la vie non et lui permettre yon l'autre fois moi-même avoir nous capable rencontrer et dans même li rendez-vous ça pour même travail là. Non senti et sans présence l'Éternel non pas avoir rien mais avec l'Éternel non ce bagage extraordinaire. Donc n'a commencé par la prière. Dieu saint Père adorable, nous content en pile parce que Dieu tout puissant c'est au même qui maintenant. Nous content parce que l'Éternel direction la vie nous c'est dans mon lié cher Seigneur. Dans moment ça l'Éternel papa nous veut la guerre travail là dans nous parce que Dieu tout puissant nous rend compte sans présence sous travail ça n'est pas possible. Et d'ailleurs c'est pour lier non pas ta doué faire sans présence sous tout l'Éternel. Notre Dieu, notre bon sauveur, nous l'a gué tout le monde, et petit tout le passé par là, tout côté, oui. Premièrement, l'Éternel, nous connaît, nous pas qu'à prier pour tout, nous pas qu'à citer nos toutes chers Seigneur. Mais nous l'a gué tout côté, oui. Et là, nous avons une chance, chers Seigneur, pour autant de travail, ça, Dieu tout puissant. Pour y rendre compte que prière là, lui, pour y toucher, Seigneur. Notre Dieu, notre libérateur, notre maître, non, vous voulez laguer dans mon occasion ça, frère Boubé Aristide avec toute famille, et non laguer dans mon Dieu tout puissant, Rondi Joseph, cher Seigneur, non mando l'Éternel, fais grâce, et fais les arrangements nécessaires, parce que non connaît l'Éternel, papa, avec certitude, ou pas intervenir n'importe comment l'Éternel papa si ou pas une côté pour chita si ou pas une côté pour croiser pied au Dieu tout puissant mais pour l'amour de ton nom l'Éternel papa non mando cher Seigneur fais arrangement yo pour nous avec puissance sous l'Éternel papa nous qu'on capable l'Éternel non la gué dans mon Dieu tout puissant dans moment ça frère et sœur Renel Joseph, frère et sœur, Leslie Joseph, frère et sœur, Eric Joseph, frère et sœur, Hilaire Joseph, dans la guerre, dans mon Dieu, tout puissant, nous sommes Joseph avec toute famille, tout l'Éternel, dans le moment ça, Magali Joseph, dans la guerre, l'Éternel, sœur, Erline, Parmelus, avec toute famille, sœur Nerla, Parmelus, avec toute famille, l'Éternel, papa, Claudie, Edwine, Parmelus, avec toute famille, toute activité, au Dieu tout puissant. Non la guerre ou non mon parce que l'Éternel nous rend compte c'est seul ou même Dieu tout puissant oui c'est seul ou même pas gain l'autre encore Dieu tout puissant c'est ça que fait l'Éternel papa non voulait toujours vivre pour et cher Seigneur parce que nous connons là pour faire des choses extraordinaires et Yannick Gettiolette Denise et Yvena non la guerre tout non mon tout branché Altidorio non la gué l'Éternel papa Jacques Fritz et Bernard et Evans non la gué tout nan mon Dieu tout puissant et nan occasion ça l'Éternel papa et nous profiter de l'occasion pour nous la gué Luc Néadan avec toute famille par le Dieu tout puissant on m'a de répondre grâce dans la vie au cher Seigneur. Oh l'Éternel papa n'a pas prié pour l'avancement de l'évangile ou connaît l'Éternel comment on t'a aimé toute famille non yo pou tan bazel ou parce que cher Seigneur pa gagne plus gros richesse que ça on la gué groupe sa beoz nan men ou konnen Dieu tout puissant comment non juge nécessaire c'est ou même qui pou guider pas non de tout ça n'a fait cher Seigneur pour non capable aller plus loin cher papa nan cher Seigneur non la gué Dieu en Artex in financial service nan mon Dieu tout puissant et non, ma doute, continuez l'Éternel, continuez, cher Père, pour la gloire de ton nom. Cher Seigneur, vous connaissez toute situation triste, n'a pas vivre dans la société à Dieu Tout-Puissant. Comment l'Éternel, papa, les valeurs, toutes les qualités disparaissent, cher Seigneur. N'a pas demandé chaque jour intervention, notre Dieu, dans la situation, papa, parce que c'est seul ou même pas bien l'autre encore. Zami mieux tout côté noyé, non saluons l'autre fois dans nom Jésus-Christ, non dit l'Éternel merci parce que lui permet non tourner, non toujours dans Ésaïe chapitre 1er, normalement on est dans fin noyé là parce que n'a pas reprendre dernier verset là, ba explication nécessaire dans dernier verset là
Vous comprenez? Et surtout, verset 31, l'homme fort sera comme de l'étouffe et son œuvre comme une étincelle. Ils brûleront l'un l'autre ensemble et il n'y aura personne pour l'éteindre. Alors, et là, vous parlez de l'homme fort, là, comme tu essayes d'expliquer, l'homme fort, ça, c'est pas selon la loi divine, non. C'est pas selon le principe l'éternel, non. Il y aurait l'homme fort, là. C'est selon conception, les hommes, gens, les hommes, ouais. Mais, il y a un monde qui est fort, mais qui passe selon la volonté de Dieu, fort là pas représenté en un. C'est ça pour nous comprendre là. Et ça fait donc que l'homme fort sera comme l'étouffe. Je me prends un exemple là, et pour un Congo avant, et il dit son œuvre comme une étincelle, là, à n'importe quelle occasion. Et étincelle la levée, l'infini. Et l'y aller, dit pas, c'est une série de bagages qui parlent pour longtemps, et au doux comme ça, ils brûleront l'un l'autre ensemble, et il n'y a personne pour l'éteindre. C'est ça. Donc ça veut dire que, monde qui comprend l'effort et capable de fonctionner en dehors de la présence, en dehors de la volonté de Dieu, c'est pas une bonne pente parce que véritable monde qui fort c'est les monde n'a trouvé en bas zèle l'éternel en bas protection divine côté qui gagne tout pouvoir côté qui gagne toute capacité. Alors non pour aller et trouver nous maintenant dans chapitre 2 Ésaïe chapitre 2. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Israël et Jérusalem. Sur Israël et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Bien. Et comme nous connaissons, frères et sœurs, l'Éternel, à chaque occasion, à chaque instant, l'Éternel a une façon de faire une intervention. Et c'est très, très, très important. Frères et sœurs, notez où ça aurait les prophéties de relèvement d'Israël. Côté que vous avez parlé de corruption, des gens bagailleux en Israël, de, et on connaît qui te rend l'Éternel et éloigné des rois. Mais, et yo te parlé d'où des prophéties de relèvement, et c'est lui qui a pu continuer là, parce que yo dit non, et la montagne d'Israël sera fondée sur le sommet des montagnes. Comment comprendre que là, yo parlé de la montagne d'Israël? Alors, cela veut dire que, la ville stratégique d'Israël, le lieu où réside le nom de l'Éternel, vous comprenez? Côté même, et moun yo qu'on réunit pour adorer l'Éternel, là, parce que vous comprenez ça, on tient mal si on dit la montagne de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Pas qu'à comprendre ça, on dit, et ça fait souvent dit dans la Bible, là, si on regarde sous l'être là, eh bien, l'être là, quand mettons dans la confusion, mais c'est leur entrée dans l'esprit qui a pu traverser. On prend, c'est leur entrée dans l'esprit qui a pu traverser. Donc, c'est pas même bagaille du tout. Alors, chaque ça qui dit, bon, l'esprit qui a pu dégager là-dedans, c'est ça même, ou non qu'on est là, parce que l'Éternel dit que la montagne de l'Éternel sera élevée au-dessus des collines. Sera élevée au-dessus des collines et que toutes les nations y afflueront. Alors là, nous sommes capables de comprendre. Si on dit que montagne est élevée au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront,
avec toute la nation a venu et comme si y a attaché à elle et ouais il tire avantage de lui etc parce que nous connaissons les ou pas bon ou pas ouais ou mais depuis ou bon mon apoué ou donc nous venons comprendre que figure là ce n'est pas une figure vraiment qui qu'on t'apprenne pour un bagage physique mais son bagage qui plus profond que physique. Alors il dit de peuple s'y rendront en foule. Ça veut dire à Jérusalem, là où réside et le nom de l'Éternel, pays bon Dieu, à ce que vous voulez me dire comme ça, pour me citer toute l'autre partie qui vient dans le pays, toute l'autre tribu, il dit que en pile peuple a sorti en foule, il a venu pour monter à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Donc où est là au côté plus précision, l'aime le lieu où réside le nom de l'Éternel là, ouais là à la maison du Dieu de Jacob. Ça veut dire en quelque sorte là, mon frère et sœur, le nap gardé là, ça veut dire gon l'autre parole k'ap di là, le nap gardé là. Vous comprenez? Gon l'autre parole k'ap di. Frères et sœurs, voulez nous bien comprendre ça qu'a dit là. Les par exemple, il dit que c'est des peuples en foule y rendront. Mais si peuple yo capable venir en foule, c'est parce que gagne bagaille qui attire yo, gagne avantage, il y a besoin de la montagne de l'Éternel, de la maison de l'Éternel. Et effectivement, frères et sœurs, et c'est une époque tellement c'est une époque de réjouissance, une époque de grande richesse en Israël, des nations te sortis tout côté sous la terre pour venir tirer avantage. Parce que nous connaissons ça, faut que nous disons ça. Et tout gros pays, c'est pas eux-mêmes qui nécessairement besoin de voyer papier par l'autre pays, mais depuis yo au courant que pays ça, son pays qui a pu fonctionner, son pays qui vient bail qui a marché là-dedans toujours. Si non lit verset à net, tendez bien. Des peuples s'y rendront en foule et diront venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses lois et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Alors, et la prophétie ça, Esaïe Abayla, lui montrer que Gonlè qui a privé grand pile, peuple en pile nation qui a intéressé à Jérusalem. Mais pour qui ça? C'est pas seulement pour les éléments matériels ou Elida, afin qu'il vous enseigne, qu'il nous enseigne ses lois. Ça veut dire ses lois, ses voies, ses principes, ses ordonnances, routes, commandements, pour enseigner. Parce que, en réalité, mes frères et sœurs, les principes que nous trouvons à travers la Bible, c'est une série de principes tout à fait justes que toute nation sur la terre a dû mettre en pratique. Même les que nous connaissons toujours des nations réticentes, et des peuples réticents en ce sens, mais et principe c'est eux-mêmes qui capable vraiment les principes bibliques qui capable et utile. Tant qu'on a pas dit non ça déjà, dans pile nation, c'est à partir de la Bible yo tiré et plus forte partie que yo gagne dans constitution yo. On prend parce que loi ça et principe ça monde pas capable passer en dehors de eux-mêmes. Alors là c'est ça yo dou que et toute nation ça yo, tout peuple ça yo vini de façon à ce que pour yo capable recevoir enseignement sur les voies de l'Éternel, route chemin côté pour yo passer et que li continue là et que nous marchions dans ces sentiers. Là yo prend figure, yo prend métaphore, yo parle de voies. Yo parle de chantier, nous connaissons route, chemin, hein, si route piti, yo les chantiers, et alors sentier, pour montrer où. Mais en réalité, nous connaissons
les a parlé de ça comme ça, ça veut dire et les principes de l'Éternel, hein, les principes, les commandements de l'Éternel, tant qu'on te dit d'où déjà, c'est de ça qu'il a pu parler là. Là où dit deux sillons sortira, la loi, nous connaissons déjà. Nous connaissons que principe et légalisme que Moïse te baillé, amen, c'est yo, de Sion sortira les lois et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Alors, les lois, les principes à suivre, la parole de l'Éternel et les éléments que nous avons besoin pour la vie, non, surtout sur le plan spirituel. Alors, yo de toute bagaille ça yo, et c'est de l'Éternel, il y a sorti sur la montagne, si vous voulez me dire avec beaucoup plus de précision, sur la montagne de l'Éternel. Il sera le juge des nations. Ah, et comme tu as dit, Israël, Juda, le peuple de Dieu, il sera le juge des nations. Là encore, nous sommes capables d'aller plus loin pour nous dire, ça a rapport à Jésus-Christ. Parce que, finalement, les nations de la terre auront un seul juge, Jésus et Jésus-Christ seul. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Donc on est là au parler des arbitres, ça veut dire ça. C'est un leader sportif qui l'a, qui pour faire règlement yo et pour appliquer règlement yo non match. Quelconque, vous comprenez, eh bien, il n'est pas seulement dans un match, et lors vous parlez des arbitres là, ça veut dire, et selon Jean Moun a fonctionné qu'on y a là, il y a besoin de principe, il y a besoin de commandement, il y a besoin de loi pour vous marcher selon vous-même. Donc, là, vous parlez des arbitres là, ça veut dire que c'est Israël, ou soit c'est bon Dieu, ou soit c'est Jésus-Christ, surtout là, avec beaucoup plus de précautions, c'est lui-même qui a baillé, et peuple, les nations de la terre, les principes, le peuple qui vient pour fonctionner, qui vient pour vivre. Il sera le juge des nations, l'arbitre de grand nombre de peuples. De leur glaive, ils forgeront des royaux. Et de leur lance des serpents, une nation ne tirera plus l'épée. Donc, c'est comme une autre contre une autre. Et il voulait montrer là, pour elle tellement gon harmonie de paix, on harmonie d'amour, moun pa même besoin ça relé pratiquer la guerre. Et ça fait n'a dit à là, c'est d'accord me répéter nom de Jésus-Christ là-dedans, c'est parce que c'est dans temps apocalyptique là, son prophétie de l'apocalypse liée, ça veut dire une prophétie du dernier temps côté que de véritable Israël là, parce que là on parlait. Là, on parle de loi ici, là. Nous connaissons Israël, t'es baille loi déjà. Mais, si là, n'a pas une précision qu'a fait sur la parole qu'a dit, là, qui a un rapport exactement à Jésus-Christ. Qui a un rapport spécialement à Jésus-Christ. Là, on dit non, là. Une nation ne tirera plus d'épée contre une autre. Pap gen goumen, pap gen goumen, pap d'adversaire, pap gen ennemi pour yon de écraser l'autre encore. Bagay sa, la pe fini et moun pap apprendre jan pou yon goumen pour faire la guerre, apprendre tirer les armes, apprendre tirer les arts, les actes. Non, moun pap apprendre tirer ça pour yon tant de piège pour voisin yon, pap pral gen ça. Parce que c'est la paix qui pourra le régner à partir de Jésus-Christ. De Jésus-Christ, la parole l'a dit, le rejeton de la tribu de Juda. Et si vous regardez depuis en l'air dans la prophétie, il y a deux prophéties d'Isaïe, fils d'Amo, sur Juda. Sur Juda et sur Jérusalem. Et on connaît, il y aurait les Jésus, le rejeton de la tribu de Juda. Alors, ça n'a pas dit là, li concerné tant que Jamdoula exactement dernier temps le temps de l'apocalypse li concerné pour montrer que toute bagaille gagne pour yo changer
tout bagaille gagné pour changer côté que moun yo jan yo tapé fonctionner auparavant yo pas fonctionner au comme ça encore. Donc c'est très important. Et puisque la lumière existe d'un seul côté, yo verset 5 nous dit, nous dans Ésaïe chapitre 2 verset 5, il dit: Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Là où dit maison de Jacob, là, il voulait parler de toutes les tribus, les 12 tribus d'Israël. Il voulait parler des 12 tribus d'Israël qui pour marcher à la lumière, chercher marcher à la lumière de l'Évangile de Jésus-Christ. Frères et sœurs, pour qui ça là? Parole là, mandé pour faire appel aux tribus d'Israël. Verset 6 là pour elle dit ça. Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins. Verset 6. Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins de l'Orient et a donné à la magie comme les Philistins, parce qu'il s'allie aux fils des étrangers. Le peuple est rempli d'argent et d'or. Alors, frères et sœurs, donc on était une interdiction à travers la Bible pour yo paté lié avec les autres nations. Mais pour qui ça yo dit mettre nation te guider nation et chef là l'Éternel t'a abandonné yo, c'est parce que yo t'a fait alliance avec un autre peuple qui pas rien pour loi avec la parole de l'Éternel. C'est ça parce qu'ils sont pleins de l'Orient et a donné à la magie comme les Philistins. Même avec les Philistins, on t'a pas donné bagaille et les esprits, mauvais esprits, on préciser, mais c'est comme ça tout. Israël t'a fait alliance avec les étrangers, avec les autres nations, yo tombé dans adoré bagaille et au pays a venir rempli avec l'or, avec l'argent, mais ça c'est surtout dans le sens de pour moun yo faire parure avec, ça veut dire pour yo mettre dans oreilles, yo mettre dans cou, yo bagaille ça, parce que en réalité Israël pas ta doué comme ça, pas ta doué à copier sous ça, l'autre yo a fait tatouage, etc. Parce que c'est une série de bagailles qui en opposition en quelque sorte à la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous arrivons dans un moment pour nous finir, oui. Nous pas capables de continuer et nous continuer demain si Dieu veut. C'est toujours 36 76 58 73 41 20 74 33. Nous souhaitons que l'Éternel capable de vous et permettre de passer une très bonne soirée.